L'alliance est un élément qui nous permet de pouvoir préserver la race, être en sécurité, manger ce que l'on veut, nous multiplier en toute sécurité. Il y a des choses qui ne vont pas. Tu dois respecter ce que le Seigneur dit. Parce que c'est ce qui a dégagé. Ce qui te garde, c'est ce que le Seigneur dit. C'est la parole de Dieu qui te garde. La parole qui garde la vie. C'est ce qui te maintient en vie, pas autre chose. Tu ne connais pas ce qui te devient de plein droit. Quelqu'un viendra te dire ce qui te devient de plein droit. Et puis va te chier. Donc toi, tu vas accepter à cause de l'ignorance. À quoi Jésus dit, mon peuple est péri à manque de connaissance. L'alliance va te préserver de certaines situations que tu ne peux pas combattre. Il y a des démons que tu ne peux pas combattre. Tu as besoin d'être dans une alliance. Tu ne peux pas être à l'église. Tu as le père et tu n'es pas en alliance avec cet homme. C'est pas possible. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, si toi-même tu ne recrutes pas, tes enfants vont recruter. Voilà pourquoi il faut toujours te rappeler. Tu as besoin de l'alliance. Tu as besoin de rentrer en alliance avec ton père spirituel. Sérieusement. Partage quelqu'un qui a la personne que nous sommes déjà en ligne. Alléluia. Par rapport à ces temps de prière. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tous genoux fléchiront
lorsqu'on parlera en son nom, les malades guériront. Lorsqu'on parlera de Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tous genoux fléchiront lorsqu'on parlera en son nom. Malades guériront lorsqu'on parlera de Jésus. Adorons Dieu, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus. Glorifions son nom, adorons Jésus, élevons son nom. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de la justification depuis la semaine. Nous parlons de la justification. Amen. Donc, moi, je vais parler sur la justification. Alléluia. Pourquoi il faudrait que je sois, il faudrait que le Seigneur me justifie. Pourquoi j'ai besoin d'être justifié? Pourquoi la justification? Quelle est l'importance du fait que le Seigneur me justifie? Alléluia! Souvenez-vous que nous sommes dans un monde compliqué, nous sommes dans un monde bizarre, nous sommes dans un monde où les hommes et les gens sont en fait compliqués, comme on dit souvent, les gens. Alléluia! Les gens sont compliqués et si nous ne sommes pas justifiés par le Seigneur, nous allons totalement être géoparadis. Nous allons totalement être manipulés. Alléluia. 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 Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Je vais vous lire un texte dans le livre d'Hébreux, dans le livre de Corinthiens. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens. Nous allons lire un texte. Gloire à Dieu. Oh, rato se précaranda sa déréquisitoro. Alléluia. Alléluia. Atato se télévino. La brosso si prala desiflas galos galala. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà. 1 Corinthiens. Chapitre 3. Nous allons lire l'exemple de 1 Corinthiens chapitre 3. Par la justification. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, à partir du verset 1er, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il n'y a pas de vous de la jalousie et des disputes,
N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, mais un autre, l'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui, ce n'est pas celui qui plante quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, bien que sur du bois, du foin, du chaud, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage, vous voyez que Paul parle à l'Église. Il parle à l'Église de Corinthe et il leur fait comprendre que la manière dont il parlait était une manière charnelle. Alléluia. C'était une manière charnelle. Et dans leur manière charnelle de parler, ils étaient rentrés dans ce que l'on appelle les compétitions ou encore les comparaisons. Alléluia. L'une des choses qui détruit aujourd'hui ou encore qui freine plusieurs dons ou encore plusieurs personnes dans la chose de Dieu, c'est la comparaison. Je vais me comparer à tel. Je vais me comparer à celui-ci. Je vais me comparer à celle-là. Mais en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, la seule personne à qui tu dois pouvoir te comparer, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur à qui tu dois te comparer et non à une autre personne, parce que le Seigneur est la personne par excellence qui puisse te donner ou encore te montrer l'exemple qu'il faudra suivre. Et une autre raison encore pour laquelle c'est le Seigneur que tu dois pouvoir regarder, parce que tout simplement, tu as été appelé par lui et il connaît le potentiel qu'il a mis en toi. Alléluia. C'est par cela que tu es, c'est par rapport à cela que tu es justifié. Donc, lorsque tu fausses déjà ce point, cela veut dire que tout sera faux. Vous voyez, tout à l'heure, Pierre Paul disait que la manière dont tu bâtis dessus, fais attention à la manière dont tu bâtis sur le fondement qui a été posé. Parce que si tu bâtis mal, lorsque ce sera éprouvé, ça va être découvert. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la justification, elle est très, 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 très importante parce qu'elle fera en sorte que tu ne puisses pas rentrer dans les courses, à la compétition, à la comparaison, mais tu couriras dans ton couloir, tu feras les choses que le Seigneur t'a appelé à faire parce que tu vas chercher la face de Dieu. C'est important aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la main a cinq doigts. Et les cinq doigts de la main n'ont pas le même rôle ni la même longueur. Chaque doigt de la main a un rôle particulier et a une fonction particulière et a une longueur particulière. C'est la même chose. Amen.
Le majeur, alléluia, ne peut pas vouloir se comparer à la nullaire, ou bien à l'index, ou bien aux pouces. Vous voyez, c'est pas possible. Parce que chacun joue son rôle. Amen. Par exemple, en ce qui concerne par exemple le mariage, amen, vous savez qu'il y a un doigt particulier qui est censé recevoir la bague de mariage. On ne peut pas déplacer. Si tu déplaces cette bague-là, et que tu la mets dans un autre doigt, bon, ça veut dire que même toi-même, ta condition aussi a changé. Alléluia. Donc, c'est comme ça, c'est pour dire quoi, c'est pour dire que chacun a son rôle. Et tu ne peux pas vouloir te comparer à l'autre parce que vous n'avez peut-être pas les mêmes fonctions. Nous sommes tous appelés, mais nous n'avons pas les mêmes fonctions. Nous sommes tous appelés, mais nous ne jouons pas le même rôle. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans la société, vous allez voir qu'il y a des médecins, il y a des mécaniciens, il y a des cuisiniers, hein? Il y a des professeurs, des enseignants, il y a comment vous les appelez, il y a des militaires, chacun a sa fonction et c'est ce qui fait que bien organisé, alléluia, on arrive à atteindre les objectifs qui ont été assignés. Donc ici, alors que nous voulons parler de la justification, c'est important que tu comprennes bien, mesdames et Seigneur, tu as besoin que le Seigneur puisse manifester la justification qu'il a prédestinée par rapport à ton existence. Parce que ce qui est sûr, c'est que le monde dans lequel tu es, la vie ou encore la vie que tu vis, que tu le veuilles ou pas, que tu sois pauvre, que tu sois riche, bien-aimé, tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Quand tu n'as pas mangé, les gens diront, regardez-moi ce pauvre-là, il crie, passe son temps, nous fait le bruit avec Dieu, il n'arrive même pas à manger. Quand tu manges bien, dis, regardez-moi ces sorciers, il passe son temps à voler les gens pour pouvoir manger. Lorsque tu t'habilles mal, on dit, mais ça c'est quel genre de pasteur, ça c'est quel genre de servante de Dieu qui s'habille mal comme ça. Donc le Saint-Esprit n'est pas sur elle. Quand tu t'habilles bien, c'est aussi un autre langage. Tu as besoin que le Seigneur seul justifie. Alléluia. La justification divine. C'est comme ça que j'appelle ça. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, le canal par lequel le diable passe est celui de venir dénigrer, celui d'amener les gens dans la comparaison, celui d'amener les gens quelquefois même à se sous-estimer elles-mêmes. C'est-à-dire que tu te sous-estimes parce que tu veux que ta vie ressemble à l'autre, alors que la vie que l'autre que tu es en train de voir là est une projection de mensonge. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le diable est le père du mensonge. C'est-à-dire que c'est l'enfant du mensonge. Et le mensonge est en lui et lui-même il est l'incarnation manifestée du mensonge. Alléluia. Donc c'est important que nous puissions comprendre que nous avons besoin de pouvoir chercher la justification auprès du Seigneur. Maintenant, cette justification, bien aimé dans le Seigneur, en réalité, nous l'avons dans notre prédestinée. Parce que ce n'est pas les œuvres que nous accomplissons aujourd'hui, ce sont des œuvres, lorsque nous sommes dans le Seigneur, ce sont des œuvres qui ont été en fait prédestinées avant la fondation du monde concernant nos vies. La Bible est claire. La Bible dit qu'il y a des œuvres que l'Éternel a préparées pour nous. Des bonnes œuvres. Il dit des bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes. C'est la raison pour laquelle nous prions. Voilà pourquoi nous sommes engagés pour 21 jours de jeûne et de prière. Parce qu'il y a des œuvres qui ont été prédestinées. Il y a des choses qui existent. Il y a des choses pour lesquelles nous avons été justifiés par le Seigneur. Notre justification n'est pas faite maintenant, elle a été faite depuis, avant même que nous ne puissions nous manifester sur la terre. Et cette justification a été faite par le Seigneur à cause de l'œuvre pour laquelle nous avons été suscités. Alléluia. Tu n'as pas été suscité pour manger, tu n'as pas été suscité pour boire, tu n'as pas été suscité pour que tu sois là tout simplement à manger, à dormir. Non, tu as été suscité pour une œuvre excellente, pour une œuvre parfaite. Tu as été suscité par le Seigneur pour manifester en ton temps, alléluia, une œuvre de Dieu, une chose du Seigneur, quelque chose que toi seul peux faire.
Alléluia, parce que par rapport à cela, le Seigneur a vu, le Seigneur a pesé, il a sous-pesé et il a vu que tu es la seule personne capable de pouvoir le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, encore une fois de plus, nous voulons élever la voix et nous voulons prier par rapport à la justification. Tu as besoin que le Seigneur te justifie devant tes ennemis. Tu as besoin que le Seigneur te justifie dans ta famille. Tu as besoin que le Seigneur te justifie devant tes voisins, même au niveau de ton travail, même dans tes études, si tu es étudiant. Tu as besoin que le Seigneur te justifie. Alléluia. Massa tarabo soko refreshatelebe. Mande resitarados poprates kita. Élève ta voix et prie ce soir. Rakatako sibrandelebe. Massa tarababa. Oh, sotolobo. Machandelebe, kablandelebe, kablandelebe, kablandelebe. Rab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 a. Tu as besoin que le Seigneur te justifie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur de te justifier. Que la justification qu'il a manifestée à ton égard avant de te former dans le ventre de ta mère, que cette justification soit activée. Que le Seigneur active, qu'il active. Alléluia. Oh, j'aime ce mot. Que le Seigneur active. Alléluia. Ma santa, rosotolobo. Même Jésus a parlé au Seigneur. Lorsqu'il était en train de finir son ministère, il a dit au Père, Père, glorifie-moi. Maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Le Seigneur a parlé. Il y a des choses qui existent avant même que tu ne sois manifesté sur la terre. Et ces choses, tu as besoin de les réclamer sur la terre dans ton temps, afin que ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été planifié dans ta vie puisse s'accomplir. Élève ta voix et parle à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on saute caprados qui tendent les mains. Mada soupre taranda scatere becada. On soupre de sicolo au chatarabahaya. L'écho se preque dos qui prennent les mains. Mayanta soupre de les mains. Oh, si brande les mains cataraba. Lèvre au sotoro au chande les mains cataraba. Rab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 a. Tu m'as connu avant la fondation du monde. Tu m'as connu avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Tu m'as connu avant, Seigneur Dieu de gloire, que je n'atteigne cet âge de la maturité. Tu m'as connu d'avance. Éternel, parce que tu m'as connu d'avance, tu m'as prédestiné. Éternel, parce que tu m'as prédestiné, éternel, tu m'as appelé. Éternel, lorsque tu m'as appelé, tu m'as aussi justifié. Oh Seigneur, en ce jour que tu as fait, je prie éternel, laisse que les œuvres pour lesquelles j'ai été justifié, éternel Dieu de gloire, dans la prédestinée, éternel se manifeste, éternel dans ces temps, au nom de Jésus. Permets-moi d'accomplir, éternel Père, ce qui a amené la justification, éternel Dieu de gloire. Oh, ma santa rabouche, katarabahane, rabasata kataya. Mozubre que para saprate, beri antaladus kupre que tarabahane, ricos cotos que prequedes que tarabaha, indalante le prestendo lobos te brede le prestende le brede, maya talabasha talababa, maya talabasha talababa, maya talabasha talababa, le patalabasha talababa, le patalabasha talababa, rebo sotto così che repe preke tarabasi brodolobo. Oh maradere betane, oh maradere betane, oh maradere betane, justifie, éternel Père de gloire, dans ces temps, oh Seigneur, de la justification éternelle qui existe dans la prédestinée, merci Kalato Shikiprekete, justification dans le ministère, justification éternel Père de gloire, dans les finances, justification éternel Père, dans les relations humaines, justification, oh Dieu de miséricorde, éternel, dans ma vie de prière, justification, dans ma vie maritale, justification, au soto chaprakata, reteske prekede, indiri antalato soprekede, rebezade rebe, oh papa, maya katara bouchande rebe, kabaria bazade rebe, ikalama santaraba, iandalaba santaraba, bien aimé, élève la voix et parle à Dieu, mais écoute tout ce qui prekete, sekede. Et quand tout ce qu'on s'y prête, ce que t'es qu'elle est, Gériga d'Abros, qu'on prête que t'as là-bas, mon corps qui prête que t'es qu'elle est, Mayanda la bassande, et Anda la bassande, et Kalabassande, et Abana vos souverains que t'as là-bas, chande rebe, Mosi brande rebe, Kabarabachande rebe, et Kalabachande rebe, Kabarabachande rebe, Rebobo, sopre que be, Rebobobo, chibrande rebe, et Kalabassande rabazine, et Anda rebe, Santa rabazine,
Mandolobo, Eberia Mandelebe, Eberia Mandelebe, justifie-moi, Seigneur. Oh, Satarabazi Anderebe, Kasi Prosto Pregede, Masundere Brende Sikolobo Zanderebe, Ekarabasanda Libasu Pregede Rebe, Ritos Teba, Abarabashi Derebe, Erabababababazunderebe, Kabaria Baba. Oh, cause, mandelele, e andelele, I carabazandelele, lebrosindelele, e carabazindelele, o sataraba chandelele, chandelele, rab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 a, oh, cosito, o si pratele becaia, o si brandele becaia, e andelebelebelebe. Hey, a carabazan de Rebelebelebe. Hey, a carabazan de Rebelebelebe. Hey, a carabazan de Rebelebelebe. Justifie-moi, Seigneur. Ma santa la bayenne de Rebecca Sibrandelebe. Rebobo Chibrandere que Pristana dosianderebe. Gadadi dos coderege, coderege, corede. Regue de Brésil de Robosin de Rebe. Redo Robosin de Rebezin de Rebe. Mayanta la basin de Robosin de Rebe. Maya Tarabazindora was in the rebe, Lebregadera Bregadera Bregadera Bay, Rebregadera Bregadera Bregadera Bay, Rab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 a, oh Polido, oh Berekelegade Berebegade, oh Berekadera Bregadera Bregadera Bay, He Antaraba Satarabaya, He Antarabe Satarabaya, Ezupreketaraba Satarabaya, Maso Breketerebe Satarabaya. Breya kade breya kade breya kade breya kade breya kade ore breke de breke de breke de breke de mayan telebe mayan telebe mayan telebe mayan telebe lebe 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 oh shabra kade lebe 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 ayan dara satara lele e andara lala satara lele Lesta Pradoski bre, Lesta Talabroski bre, Masabroski bre, Ketere Brezindorobo, Oh Sibrandarate, Oh Sibrandarate, Mandele Ataradele, Kadele, 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 Ishadarabare Bregadele, 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 Hosanna, Masandorobo, Sibrandelebe, 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 Hallelujah, Hallelujah, Mosi Karabababababa, Mosi Derebe Kabarabababa, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prions encore, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de la justification. Vous savez, la plupart du temps, lorsque tu dois te justifier, bien lorsque tu dois te justifier, amen, c'est par rapport à une action ou encore c'est par rapport à des œuvres. Amen. On dit, voilà, viens te justifier par rapport à quelque chose que tu as, un acte que tu as posé, à quelque chose que tu as dit, ou encore, voilà, c'est en tout cas, s'il y a forcément quelque chose qui précède le fait qu'on te convoque, ou bien le fait qu'on te demande de te justifier. Alléluia. Maintenant, la particularité ici, c'est-à-dire que la parole de Dieu, au lieu que nous-mêmes nous justifions, le Seigneur nous a justifiés. C'est là que vous savez ce que cela veut dire. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place. Alléluia. Jésus a pris notre place. Amen. Et il a parlé, hein, il a parlé pour nous. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que si Jésus a parlé pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des paroles de Jésus qui existent pour nous dans la prédestinée. Amen. Que nous devons pouvoir manifester dans notre destinée. Les paroles de Jésus. Parce que pour qu'on te demande de te justifier, il faudrait que tu aies posé un acte. Ou alors il faudrait que tu aies peut-être fait quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui doit avoir été fait pour faire en sorte qu'on demande une justification. Alléluia. Maintenant, Jésus a pris notre place. Donc Jésus a parlé pour nous. Parce que c'est lui qui nous a justifié. Alléluia. C'est lui qui nous a justifié. Donc, c'est lui qui a parlé pour nous. C'est lui qui a posé les actes pour nous. Amen. Maintenant, ces actes-là qu'il a posés pour nous. Alléluia. Étant donné qu'il vit en nous dans la destinée. Amen. Nous
nous avons besoin de pouvoir accomplir les actes qui vont nous amener à la justification selon la plein esprit. Alléluia. Les actes qui doivent nous amener à la justification selon la prédestinée. Les actes qui doivent nous conduire à la justification selon la prédestinée. Les actes qui doivent nous conduire à la justification selon la prédestinée. Ces actes-là qui sont des actes importants. Alléluia. La plupart du temps, lorsque j'ai pris le Seigneur, je dis Seigneur, vous savez, il y a un cantique que j'ai, que le Seigneur m'a permis de composer. Amen. En fait, bon, je ne suis pas un compositeur, je suis tout simplement un homme qui a prié, qui a pour le Seigneur à ma manière. Alléluia. Et ce cantique-là, moi comme une prière, en fait. Et la plupart du temps, lorsque j'ai l'opportunité, lorsque je peux conduire des temps de prière, ou bien lorsque je me trouve seul et que je dois, par exemple, aller chercher la face de Dieu, c'est un cantique qui monte sur la bonne esprit. Alléluia. C'est un cantique beaucoup plus. Il y a des personnes qui me chantent, peut-être que certains ne savent pas que c'est une inspiration dans mes temps de recherche de la face de Dieu. Alléluia. Mais vous voyez, en fait, c'est un cantique qui. C'est une prière que ce enfant me chante qui me demande, qui demande, où je demande à Dieu de me faire vivre ma prédestinée. Alléluia. De faire vivre ma prédestinée. Parce que je crois en une chose, que aucune personne n'est venue sur la terre pour accompagner quelqu'un. Je crois qu'aucune personne n'est venue sur la terre sans objectif ou encore sans vision ou sans quelque chose à accomplir. Je crois que la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire ce pourquoi elles vivent, elles existent, c'est parce qu'elles ne savent pas, alléluia, la type de vie en réalité qu'elles sont supposées vivre. Il y a d'autres personnes qui veulent vivre comme les Américains, alors que c'est des Africains. Il y a d'autres personnes qui veulent vivre comme des Occidentaux, alors que c'est des Américains. Ou bien alors que c'est des Asiatiques. C'est juste un exemple, vous voyez. Mais en réalité, nous sommes supposés vivre la vie. Amen. Qui est la nôtre. Celle-là qui a été prédestinée pour nous. Amen. Nous sommes là, nous sommes préparés sur la vie. Aide-moi, Seigneur, à vivre ta vie. Aide-moi, Jésus. Par le Saint-Esprit, à vivre ta vie, pour le restant de mes jours, pour le restant de mes jours. Aide-moi, Seigneur, à vivre ta vie. Non, la mienne, pas la mienne. Aide-moi à vivre ta vie. Parce que je crois que si je suis sur terre, c'est parce que toi, je m'as accordé ta vie. Alors, aide-moi à vivre ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est une autre manière de dire, Seigneur, que ce que tu as prédestiné concernant ma vie, concernant mon existence, Seigneur, permets-moi de vivre ça. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Nous voulons prier encore ce soir, nous voulons encore prier ce soir, nous voulons dire, Seigneur, que toutes les actions qui nous amènent à la justification, selon la prédestinée, permets-nous de les accomplir. Permets-nous de les vivre. Dans notre génération, dans la génération de nos enfants, et dans la génération des enfants de nos enfants, dans les générations qui sont devant nous, avant le prochain arrivement. Alléluia. Nous voulons prier tout ce qu'on a. Nous voulons faire cette prière qui est une prière prophétique aussi, mais qui est une prière d'anticipation. Alléluia. Par rapport aux années à venir. Tu m'as élevé ta voix de la rue, je t'en prie, mon Dieu. Que toutes les actions qui ont été prédestinées concernant ta vie, que tu pourras manifester, que le Seigneur, dans ces temps, alléluia, les temps fixés par le Seigneur, que le Seigneur t'appelle à les accueillir. Au nom de Jésus, élève ta voix maintenant. Ô Seigneur, la chapelle, aide-moi, Jésus, ta barasata, l'homme s'intéresse, qui n'ose ta marque, à ta barrière, il y a des choses, ça. Tu as prédestiné vers moi. Il y a des actions éternelles que tu as préparées
parce que ma vie n'est pas éternelle, Père. Je n'ai pas éternelle, Père. Et à ça, ma vie éternelle, tu ne n'est pas éternelle, une improvisation. Oh, ma tosse, Rémondos, Randa, 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 lorsque je lis tes écritures, lorsque je lis quelque manière, oh Seigneur, je vois que tu as dit un jour, l'éternel, que devant tes présents, je libère à notre âge, et selon notre ressemblance, et Seigneur, que tu as mis sur l'action de faire, l'éternel, des actions que je devrais poser sur la terre. Mon ce soir, je prie, laisse que ces actions éternelles, Père, qui conduisent à la justification éternelle et qui existe dans notre esprit, éternel, Père, moi, les accomplir. Au nom de Jésus, ma canto son prégéta, je me positionne ce soir à rendre son prégé, et quand ma cagasse ou quitte à marte, et prête son prégéta à la voie pour toute mon œuvre que tu as prédestiné, Gazouzé, Regeta, Parasoprédé, par lesquels j'ai été justifié, oh, mon soto, oh, Katanda, Abadé, et Prato Soublé, Irada, Vas-y, Père, tu as demandé les accomplir, Matarazakara, pousse-moi dans ses œuvres, pousse-moi dans ses actions, éternel, mon Père, oh, Papa, je ne suis pas éternel de pleureur, je ne suis pas éternel Père de gloire, l'improvisation de ta part, je suis éternel Père, plus de forte passé, éternel, je suis éternel Dieu de gloire, oh Seigneur qui était son président à vous, oh si, prata soubre, éternel, chanta, agado soubre, éternel, yamasado, soubre, malaga soubre, éternel, un programme mûrement réfléchi, un programme mûrement pensé. Oh, Maranda, Sabrada, Sito, Solegede, Sito, Son, Prestelegede, Zimazagada, appelé. Oh, Okola, Kalabazande, Lebe, Rekeseke, Lebe, Chande, Lebe, Kabari, Amazande, Lebe, Kabarababa, créé dans les cieux, Masoupre, Ketaraba, assemblé en Afrique, principalement au Gabon, et dispatché dans les nations. Oh, si que ramassa taka 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 ya, ma se que Christo, oh Zoko, zou zou zou, me reke saka, laisse-moi accomplir ce pourquoi tu m'as suscité, laisse-moi accomplir ce pourquoi tu m'as justifié, et que soupre katou si prata sada, si mo popo po oshata, agadama soupre kete, dans ce temps, et dans cette période, et dans cette saison, éternel mon Père, laisse que l'onction de l'éternité, celle-là, éternel Dieu de gloire, qui m'appelle à accomplir ce qui a été prédestiné. Que cette onction coule. Nourumantanda, aparada kosukataya, agadou si preketegen, migodos kodeske deski dabado zubandelebe. Je me positionne ce soir. Manteriando lo sente, ikalab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 a. Gera saturi amantende e ge dibros copre che si cattala bahande mi indando sottolobo e calamandolobo sottolobo e bene che santele de sottolobo che le bonnes œuvres que tu as prédestinées par lesquelles j'ai été justifié. Oh, éternel, active-les dans ma vie, active-les dans ces temps, active-les dans ces temps, active-les dans cette saison, active-les dans cette période. Masotorobo shataraba, leba sataraba kaba, ekataraba sakataba, masataraba shanderebe, oreb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 e, komo zikataya. Élève ta voix et parle à Dieu. Mosi prekelendo suprete keside, ezanda masanta masanta masanta, mokolobo shandara baba. Tu as été appelé pour des bonnes œuvres, pas pour des œuvres de médiocrité. Refuse les œuvres de médiocrité. Refuse. Oh, Masiko Torobo. Bien-aimé, si tu t'accommodes avec ça, le Seigneur ne pourra rien faire. Car je vais te dire quelque chose. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas aller contre la volonté d'une personne qui a décidé de prendre son chemin. Voilà pourquoi la Bible dit que je te présente la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives.
Dieu ne peut pas aller contre la volonté de l'homme. La volonté de l'homme, c'est ce qui l'amène souvent à la perdition. La volonté de l'homme, c'est ce qui l'amène souvent à la confusion. C'est la raison pour laquelle Jésus, dans à Gethsémané, lorsqu'il était en train de prier, il a dit, « Seigneur, non pas que ce soit ma volonté, mais la tienne. » Jésus était en train de dire au Père, « Fais ce qui a été arrêté dans la prédestinée. » Ce soir, ô Éternel, en ce jour particulier que tu as fait, en ce jour de grâce que tu m'as accordé, en ce jour de miséricorde, papa, « Ah !» Okosupa, abandoute et le brosque presto tospude, kindurundanda la zaizagada, galos to prekelido kolende, et balandurus to pradele keladia, montain ten de gain, et radabrosu prekerada, et rabababababababa, homo soto, okosokozia, ajoine le besente kezizen, megede, mindala masanda, mikolobo zibrande le bekabara maswane le berebe, les œuvres du ministère, les œuvres éternelles, Père des martyrs, et kalabasanda, la satorobo shekelebe, les œuvres que tu as prédestinées, les œuvres éternelles, Père, o soto, o chapa, leke palagadus qui pregede, mikunti mindala tous puti kidaga, mokula Christo prostibrende kilandolobo, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Mazaya, mon sotorobo chapregede, mon sokotobo chapregede. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te choquer peut-être ce soir, mais je vais te dire quelque chose. Si tu fais des grandes choses devant, des grandes choses aux yeux des hommes, et que ces choses sont des choses qui ne t'ont pas été assignées ou bien des choses qui n'ont pas été prédestinées, tu n'as rien fait. Tu auras travaillé en vain. Tu auras travaillé pour rien, bien-aimé. Voilà pourquoi vous voyez des prières de ce genre. Parce que le péché, on a pensé toujours que le péché, c'est aller faire la fornication, c'est aller faire l'adultère, c'est aller boire le vin jusqu'à ce que tu insultes tout le monde, ou bien c'est aller prendre le couteau que tu es quelqu'un, ou bien c'est être sauvage. Bien aimé, tout ça là, c'est pas bien. La parole de Dieu condamne ça. Amen. Ce n'est pas bien. Et moi, je condamne ça aussi. Je dis que c'est pas bien. Mais lorsque vous allez regarder l'explication du mot péché, le péché, ça veut dire manque d'objectif, manque de capture. Donc vous voyez que, en fait, ça va plus loin et ça va en profondeur que la manière dont nous avons conceptionnalisé, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, le péché. Alléluia. La manière dont nous avons décrit ou encore défini dans notre jargon le péché, nous voyons que c'est totalement différent. Parce que si tu me dis par exemple que manque le c'est commettre le péché. Cela veut dire que le péché, ce n'est pas seulement fornier ou bien commettre l'adultère ou bien voler ou bien tricher. Cela veut dire aussi que dans tout ce que je peux être en train de faire, si ce que je fais ne m'a pas été recommandé, j'ai aussi péché. Alléluia. Même si les hommes apprécient ça, même si les hommes sont d'accord, même si ça aide les hommes. Amen. J'ai aussi péché. Vous voyez? Donc, quand vous comprenez ça dans ce sens, vous allez alors comprendre l'importance de demander au Seigneur de vous aider à accomplir ce pourquoi vous avez été suscité. Jésus a dit quelque chose la dernière fois. Jésus a dit la dernière fois dans le livre de Marc, au chapitre 1, au verset 35, à partir du verset 35 jusqu'à bas, lorsque les disciples sont venus vers lui, et ils ont dit à Jésus, Jésus, voilà, les gens là, ils te cherchent, hein, parce que à la veille, ils les avaient nourris, ils les avaient donné à manger, donc ils étaient contents, ils ont bien dormi, avec des ventres bien ballonnés, et ils ont dormi sur une seule position, donc ils ont seulement dormi sur le dos, parce que quand ton ventre est bien bourré, tu dors seulement sur le dos, tu ne peux pas dormir sur le ventre. Alléluia. Donc, et le lendemain, ils ont dit non, le type là, il est tellement un grand prophète, c'est un prophète majeur, vraiment, c'est un prophète
puissant, parce qu'il nous fait manger, donc nous nous sommes contents. Et donc là, il faudrait qu'on aille encore nous chercher, parce que si hier, il nous a fait bien manger, ça veut dire qu'aujourd'hui, là encore, ce sera terrible. Sauf que les gens là, ils ne connaissaient pas que le monsieur là, il ne fait pas ce que son père ne fait pas. Il fait tout ce qu'il voit son père faire. Et la parole de Dieu dit que lorsque les disciples sont arrivés, ils avaient même déjà envoûté les disciples. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça dans des églises, ils ont déjà envoûté certaines personnes qui sont à côté du pasteur, qui sont à côté du leader. Donc, ils vont chuchoter à l'oreille de la personne là que non, mais il faut dire au pasteur de faire ça, il faut dire au pasteur de faire comme ça là. Et non, la personne là, comme elle, c'est une personne qui a reçu la grâce de Dieu pour que le pasteur lui puisse lui tendre son oreille, la personne là n'ose pas se commencer à venir au pasteur là. Mais homme de Dieu, pourquoi ne fait pas telle chose? Pourquoi ne fait pas telle chose? Alors que c'est les choses que la personne a écoutées là-bas, les recommandations du peuple mangeur, le peuple qui ne cherche pas Dieu, mais qui cherche seulement la bénédiction de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, même beaucoup des hommes de Dieu ont lâché leur message à cause des gens qui viennent chuchoter aux oreilles des pasteurs. Oh, est-ce que voilà, on ne peut pas faire un programme d'abord comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire un programme d'instruction, de liens, de famille, ou peut-être que Dieu veut qu'on enseigne, peut-être que Dieu a dit enseigne, mais non, donc, il va dire, non, je pense que, je crois que Dieu est en train de nous demander de prier pour que les gens soient délivrés des esprits de village, bien aimés dans le Seigneur. Voilà, si tu as la grâce de le pasteur, ou un homme de Dieu qui tend son oreille, ne viens pas verser la saleté dedans, ne viens pas remplir l'oreille l'homme de Dieu avec les déchets, hein, qui sont les revendications du peuple et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire. Vous allez voir que quand vous allez lire Marc 1, 35, à partir du verset 36, lorsque les hommes là sont venus parler à Jésus, Jésus a dit non, allons-y dans d'autres bouddhas. Donc, ils sont allés parler aux apôtres, à des dire qu'il faudrait qu'ils viennent pour nous mourir. Ils vont venir nous mourir encore parce qu'eux, ils ne suivent pas la parole. Voilà pourquoi le jour que Jésus leur a dit les avait dit que celui qui veut me suivre, qui mange ma chair et qui boit mon sang, donc tu es un sorcier. Tu veux une chance. Mais donc, les miracles que tu fais ça avec le sang. Comment tu peux nous demander de manger ta chair et puis de boire ton sang? Tiens, le vampire. Alléluia. Donc, vous voyez qu'il y a des gens, quand tu commences à leur dire des vérités d'une certaine manière, tu vas découvrir leur vrai visage. Hein? Donc, il y a des gens qui vont te suivre à cause des miracles, à cause de la grâce de Dieu que tu transportes, à cause du fait que tu es un grand résolveur de solutions, de problèmes, alléluia, un solutionnaliste, alléluia. Maintenant, quand tu vas vouloir dire autre chose, les personnes vont dire non, ça là, c'est pas correct, parce que tout simplement, tu es sorti de leur objectif, alléluia. Donc, le Seigneur va dire aux disciples que non, allons-y dans les autres bourgades, parce que c'est pour ça que je suis aussi venu, il faudrait que j'aille aussi annoncer là-bas. Vous voyez que le Seigneur les a directement confondus. Donc, imaginez-vous que Jésus était venu écouter les conseils de ceux que les suggestions des disciples qui lui demandaient de repartir vers le peuple là, à qui il avait prêché la veille et qu'il avait nourri. Si Jésus repartait vers eux. Vous voyez, je connais, j'ai un de mes mentors, un jour il m'a dit, tu sais, mon fils, je ne prêche pas aux mêmes personnes plus de deux fois. Et au début, je ne comprenais pas. Et puis après, il m'a expliqué, il m'a dit, tu sais, si quelqu'un n'a pas reçu, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, deux fois, la première fois, ou la deuxième fois que je lui apporte, cela veut dire que certainement cette personne ne comprendra. J'étais étonné, je n'ai pas compris. Mais avec le temps, j'ai pu pas comprendre qu'en fait, il y a des personnes, ou encore les personnes qui ont été prédestinées, ce sont des personnes qui, lorsque tu apportes un message, lorsque tu apportes quelque chose de la part du Seigneur, du coup, les personnes vont capter ça. Elles vont directement capter. Et la seule chose que tu auras fait, ce sera de lui mettre une couche. Mais après que tu aies remis la couche, les choses seront parfaites. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez voir que Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, que nous avons lu tout à l'heure, Paul dit que
Je vous ai parlé comme des enfants. Je vous ai donné du lait. Alors que vous avez besoin aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin de lait. Vous êtes grand. Mais j'étais obligé de vous donner du lait. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'a pas suivi le conseil des disciples. Il a suivi ce que son père lui avait révélé pendant qu'il était à l'église. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas accomplir votre prédestination si vous n'êtes pas un homme et une femme de prière. Parce que lorsque vous venez sur terre, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Que vous le voulez ou pas. Premièrement, ce qui vient déjà être modifié et qui peut être un désavantage pour vous, c'est déjà la famille dans laquelle vous êtes. Imaginez-vous un peu que vous êtes venu au monde. Dieu est passé par une petite, une jeune femme qui n'avait peut-être pas d'expérience pour pouvoir prendre soin d'un bébé. Et voilà, c'est vous qui arrivez là. Parce que la femme, c'est un canal. C'est comme, par exemple, tu décides, par exemple, de te rendre à Paris en avion. Hein? Si tu te rends à Paris en avion, tu te rends à Paris en voiture, tu te rends à Paris en train, tu te rends à Paris à vélo, tu vas toujours arriver à Paris. Mais ça dépend du moyen de transport que tu as pris, hein, de ce qui t'a transporté pour arriver là-bas. Alléluia. Vous voyez, donc c'est la même chose. Maintenant, vous allez vous rendre compte que tu ne choisis pas le moyen par lequel tu vas arriver. C'est Dieu qui décide. Maintenant, deuxièmement, tu ne choisis pas l'environnement. C'est Dieu qui décide de ton environnement. Dieu dit, si tous autant que nous sommes, Dieu avait dit, bon, écoute, apôtre, toi tu es un apôtre, je t'envoie au Gabon, tu es un apôtre, je t'envoie sur terre, tu es un apôtre, tu vas aller où? Je vous dis que beaucoup ne devaient pas choisir leur vie. Il y a des gens qui devaient demander de mettre à des endroits. Mais Dieu a choisi ça. Et si Dieu a choisi ça, c'est parce qu'il a trouvé ça juste. Parce que tout simplement, en te prédestinant, il s'est rassuré que l'endroit qu'il choisit pour toi, le canal par lequel tu vas passer, l'environnement où tu vas devoir te manifester, soit compatible par rapport à ce qu'il doit pouvoir accomplir avec toi. Le Seigneur s'est rassuré de ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi je m'inquiète à ce moment de toi, c'est ça. Je crois que tout ce qui peut arriver dans ma vie, ou tout ce qui peut arriver dans la vie de mes enfants, parce que du moment où je suis père, que ce soit père spirituel ou père biologique, du moment où le Seigneur a fait de moi un père, je crois en une chose que même ceux-là qui sont sous ma responsabilité, que ce soit spirituel ou que ce soit biologique, sont aussi victimes, amen, de la grâce qui repose sur ma vie. Parce que Dieu m'a dit dans ses écritures qu'il veille sur 10 générations de ceux qui le craignent. Il a dit jusqu'à 1000 ans. Amen. Donc, vous voyez que de manière révélée, alléluia, je me mets directement sur ce qui a été sur ce qui a été dit. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Si tu prêtes ton oreille à des gens et que ces personnes ne te donnent pas les informations qui sont écrites dans ce qui est prédestiné, mon ami, tu vas travailler, tu feras de bonnes choses. Les hommes vont t'acclamer, mais devant le Seigneur, il dira, je ne te connais pas. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de faire ces choses. Tu as fait ces choses pour toi. Et c'est ça. Le Seigneur, c'est même dans la Bible. La parole de Dieu dit que beaucoup viendront et diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? Au début, quand j'étais un peu plus jeune dans les choses de Dieu, je pensais que les personnes à qui on parlait comme ça, c'était les personnes qui vont toucher à la magie, les personnes qui vont prendre des bagues, qui vont utiliser des choses pour pouvoir faire des miracles. Mais au fur et à mesure que je me suis, au fur et à mesure que j'ai grandi, au fur et à mesure que j'ai étudié les Écritures, je me suis rendu compte que non, ce ne sont pas seulement ces personnes. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui fait la magie, quelqu'un qui m'apprend les fétiches ne peut même pas dire au nom de Jésus-Christ, hein, dans ses pratiques, parce que les démons vont le lui empêcher.
les démons qui travaillent avec lui avant de lui empêcher. Donc, il va peut-être dire quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec Jésus. Le vrai Jésus. Alléluia. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux être en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu peux être en train de faire des réalisations. Mais du moment où Dieu ne t'a pas recommandé de faire ces choses, tu es en train de pécher. Parce que tout ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, hein, et que toi tu vas t'amener à faire, est un péché. Tu es en train de pécher parce qu'il ne t'a pas demandé de faire ça. C'est comme par exemple, quelqu'un va te dire, non voilà, on t'a embauché ici pour travailler, faire tel travail. Maintenant toi tu vas faire autre chose. Et puis à la fin tu vas venir réclamer ça. On va te dire, attends, on t'a demandé de venir travailler, on t'a embauché pour faire telle chose. Maintenant toi tu fais ceci. Comment tu veux qu'on te paye puisque tu n'as pas fait ce pour on t'a embauché. Vous voyez, c'est là où le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi, vous serviteurs qui commettez l'iniquité. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important pour un serviteur de Dieu, ou bien pour une personne qui a décidé de marcher avec le Seigneur, de pouvoir toujours demander à Dieu, Seigneur, permets-moi de pouvoir accomplir ce pourquoi toi tu m'as suscité, la raison pour laquelle toi tu m'as appelé, pourquoi toi tu m'as créé. Permets-moi de faire ça, que je puisse accomplir avec la force que tu me donnes, avec le souffle que tu me donnes, avec les moyens que tu me donnes, ce qui est écrit dans le livre de ma vie, ce qui correspond à ce que toi tu as gravé dans l'agenda parfait que tu t'es préparé. Parce que tu as dit, tu connais les projets que tu as formés sur moi. Tu connais ce qui est écrit. Ce n'est pas parce que je vois quelqu'un qui est en train de faire de grandes choses que moi aussi je vais vouloir faire comme lui. Écoutez, aujourd'hui c'est une confusion totale. Une confusion totale. Tu vas voir quelqu'un parce que c'est une personne, par exemple, qui prophétise bien quand il prophétise les choses. Et toi aussi, tu vas vouloir prophétiser. Tu vas maintenant te dire que non, toi, maintenant, tu es aussi maintenant un prophète. Tu vas voir quelqu'un qui fait des grandes choses avec Dieu, hein, qui implante des églises à gauche, à droite, qui fait des choses. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Toi aussi, tu vas dire non, moi aussi, je vais maintenant faire ça. Mon ami, on appelle ça le suivisme et l'idiotie spirituelle. Parce que mon ami, tu ne fais pas ce pourquoi tu as été appelé. Tu dois pouvoir savoir. Dieu m'a appelé à quoi? Seigneur, j'existe pour quoi? Seigneur, tu m'as suscité pour quoi? Si tu ne peux pas même faire cette prière, dis seulement à Dieu, Seigneur, que ce pourquoi tu m'as suscité, permets-moi d'accomplir cela. Et puis, Dieu aime ce genre de prière. Dieu aime les gens qui prient comme ça. Hein? Dieu aime parce que Dieu dit, ah, voici quelqu'un qui est devenu normal. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons encore prier ce soir. Mora Satoro Shibranele. Geri Mazato Skopreke de Kiria Mandolobo. Rab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 a. Manderebe Zouanderebe Kebelebelebelebelebelebelebe. Oh, Shitarada Samarado Skopreke de Sibranelebe. Gerindolos Kamadi Breke de Brezenderebe Kebele Brezenderebe. Rada Brosi Brezenderebe Kanderebe Kanderebe Kanderebe. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, mais je vais devoir demander 5 minutes pour une prière spéciale. Alléluia. Pour une prière spéciale. 5 minutes pour une prière spéciale en ce moment. Alléluia. 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 J'aimerais que vous puissiez avec moi, que nous puissions prier contre toute escalade de guerre, amen, contre toute escalade de guerre au niveau de l'Ukraine, au niveau de l'Ukraine. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'Ukraine, au niveau de l'Ukraine, j'aimerais que nous puissions élever la voix maintenant contre toute escalade militaire, toute escalade de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alléluia, entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. J'aimerais que nous puissions, je viens juste d'avoir un flash que le Seigneur vient de nous montrer en ce moment. J'aimerais que nous puissions prier maintenant, que tu élèves ta voix de là où tu te trouves, de là où tu me suis. C'est juste pour 5 minutes, alléluia, que tu pries que toute escalade de guerre planifiée par le diable fait couler le sang dans le monde et dans la vie du peuple ukrainien et du peuple russe et de certains alliés, que cela soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Écoutez-moi, nous sommes dans une période de l'alignement. Je vous ai dit la dernière fois,
quand on commençait ce programme, que vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont commencer à se passer. Et nous sommes dans une période où le diable a besoin du sang, où le diable a besoin des choses compliquées. En ce moment, l'économie mondiale va mal. En ce moment, il y a des tensions de guerre. Et pendant que nous étions en train de, parler, nous avons donné une vision flash. C'est la raison pour laquelle je stoppe et je demande que nous prenions 5 minutes pour prier contre toute escalade de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Que nous puissions prier le Seigneur maintenant pour neutraliser l'action du diable. Parce que c'est l'ennemi qui cherche le sang. C'est l'ennemi qui cherche la confusion totale. C'est l'ennemi qui cherche la désolation. Élève ta voix de là où tu es et prie au nom de Jésus-Christ que toute escalade de guerre soit neutralisée au nom de Jésus. Que les anges du Seigneur qui sont censés protéger le peuple et protéger la terre à cause des saints qui y sont, se positionnent pour neutraliser l'action de l'ennemi qui veut éclater dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix. Mara soto kotaramandere bekapara nos ouvriers. Oko si pratando so paradis kalados obre kada. Mazibrono si prédélevé. Tout ce que tu révèles est condamné. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, je te demande, Père de gloire, que toute escalade de guerre que l'ennemi a planifiée, éternel Dieu, entre les nations, en cette période particulière, pour bouleverser éternel Père de gloire et pour faire couler le sang éternel dans les nations du monde. Seigneur, que cette escalade soit neutralisée, que tes anges que tu as mandatés pour être positionnés, éternel Dieu se positionne afin de neutraliser et afin de désactiver éternel toute forme de conflit que le diable a planifié dans ce temps et dans cette génération. Au nom de Jésus, nous nous positionnons par le droit et la légitimité en qualité de fils et en qualité du sel de la terre que nous sommes. Et nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les démons de guerre, tous les esprits impurs, les esprits de sang, les esprits éternels vers l'assassinat qui ont été mandatés pour envahir éternel l'Ukraine afin de créer un bain de sang pour nourrir éternel Dieu de gloire, les œuvres des ténèbres, que cela soit neutralisé. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en qualité éternel Père de Fils, à qui tu as donné la terre éternel Père, nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'œuvre qui a été planifiée par le diable pour détruire éternel Père les nations, pour détruire les vies, pour détruire les familles, pour amener l'humanité dans une guerre mondiale, soit neutralisée au nom de Jésus. Satan, que l'Éternel te réprimande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons la liberté et nous commandons une désescalade au niveau éternel Père de ces deux nations. Nous prions pour la Russie, nous prions pour l'Ukraine et nous prions contre toute action de l'ennemi au milieu éternel Père de ces deux peuples. Ce soir, au nom de Jésus, nous déployons le sang de Jésus-Christ de Nazareth et nous déclarons au nom de Jésus, nul et sans effet, toute inspiration à la haine, toute inspiration à la guerre, toute inspiration à la destruction de l'un envers l'autre. Par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, nous établissons la croix de la paix, nous établissons le sang de la victoire, nous établissons le sang de la compréhension, au nom de Jésus, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Nous parlons à la terre, nous parlons à l'eau, nous parlons à l'air, nous parlons à toutes les entités et nous commandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la paix, et la paix, la paix, et la paix, et la paix, et la paix règne dans cette partie du monde. Au nom de Jésus, ainsi soit-il, nous désamorçons, éternel, ce qui a été planifié par l'ennemi. Selon ce qui est écrit, que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Nous délions ce nœud satanique qui a été planifié par l'ennemi pour éternel embraser la terre par une guerre mondiale. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous revenons sur notre point de prière. Alléluia. Nous prions toujours sur la justification. Amen.
Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que Dieu nous a suscités pour être pour des nations une grâce. Donc, je disais tout à l'heure que nous devons prier pour que le Seigneur nous aide, hein, ou encore nous amène, nous pousse. Souvenez-vous que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Poussé. En notre temps, l'Esprit doit pouvoir te pousser. Si l'Esprit ne te pousse pas, alléluia, l'Esprit doit te pousser, l'Esprit doit t'inspirer. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui marche par la chair et quelqu'un qui marche par l'Esprit. C'est que quand tu marches par l'Esprit, l'Esprit va te pousser. L'Esprit va te montrer, l'Esprit va t'amener. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Le Saint-Esprit nous a été donné, vous savez. Merci Seigneur. L'une des missions du Saint-Esprit, selon, disons ça dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. L'une des missions du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous amener à accomplir ce qui est écrit? Disons ça dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Alléluia. Masato Koshekata. Lebroso Koprista Maragus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Écoutez, c'est ce que la parole de Dieu dit sur le ministère du Saint-Esprit. Donc, l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est ça. Nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est qui encore? Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, la vérité, c'est la parole. Et la parole existe avec Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, ça veut dire que ce qui a été dit par Dieu avant même que le monde ne soit, le Saint-Esprit, hein, ce qui a été dit par Dieu avant que Dieu ne soit manifesté sur la terre, le Saint-Esprit viendra te conduire dans ça. Il viendra te conduire dans cette vérité. Il viendra te conduire dans ces voies-là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de pouvoir chercher à te comparer avec à quelqu'un. Non. Il ne faut même pas chercher. L'arbre, le maïs, hein, et le bananier ne croissent pas à la même vitesse. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Tu as tout simplement besoin de savoir comment je peux faire, comment je dois pouvoir prier pour permettre à ce que je puisse accomplir ce pourquoi je te suscite. Alléluia. Quand tu comprends ça de cette manière, tu vas comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur ne s'est pas trompé en t'envoyant. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous a été accordé parce que nous devons pouvoir accomplir ce qui a été prédestiné. Alléluia. Ce qui a été, c'est pas ce pourquoi nous avons été prédestinés. Alors, comme le Saint-Esprit nous a été. Et voilà pourquoi l'œuvre de Jésus est une œuvre tellement excellente. Parce que c'est une œuvre qui nous prépare non seulement à pouvoir faire ce pour quoi nous avons été suscités, mais aussi à pouvoir entrer dans le repos de maître qui nous a suscités. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier encore, nous avons encore quelques minutes encore. Alléluia. Alléluia. Cabro soto shivra de rebe katarabazu de rebe. Lebro soto kotoro bozu de rebe katarabababababa. Mande beza katabazu de la bacha de rebe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Mara sata rache de rebe kamandaraba. Nous allons encore prier, encore pour quelques 15 minutes avant que nous puissions nous arrêter. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Les sous-barres, 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 les sous-barres
Aide-moi à accomplir ce pourquoi j'ai été justifié. Aide-moi à accomplir ce pourquoi j'ai été justifié. Oui, Seigneur, j'ai été justifié. Aide-moi à accomplir ce pourquoi j'ai été justifié. Rabababo, c'était Rebecca Tarabashande. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur t'aide à accomplir ce pourquoi il t'a justifié. Amen. La justification, c'est à cause de quelque chose. Que tu pries ce soir, Seigneur, aide-moi à faire ce pourquoi j'ai été justifié. C'est-à-dire que là où toi tu m'as justifié, amène-moi à faire ces choses. Amène-moi à réaliser ce qui a fait que toi tu me justifies. Alléluia. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. On s'autopose dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie spirituelle, dans ta vie financière, dans ta vie familiale, dans ta vie maritale, dans tes relations avec les hommes. Alléluia. Tu as besoin de pouvoir demander au Seigneur de pouvoir t'amener à accomplir les œuvres qui ont amené le Seigneur à te justifier. Alléluia. Olo sapradeski baladose. Mekado sodo shibreke. Madazamazi brandazi darabregede. On darama. Maraba. Rebobobobo shibregede bregede. Rasatasi pratasko skike. Gedi Amanda, le bandara telekechi, maraba baba 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 brigade, ikala masanto, robro si brande, kebre si brande, élève ta voix et prie ce soir, rataka si pratanus kide, brigade, ikamado robo si brande leve, mande leve. Oh, Shadara Damazu Bregede, Rebobobo, Santa Triando Sobrege, Mekala de Gelegelegezika da Brazil de Lebe. Au nom de Jésus Christ, Rabababababa, Masatarabo Shebregede, Rabababababa Souterebe Kaba, Rabababababa Soubregede Kaba. Oh, oui, papa, c'est toi qui m'as suscité. Merci, Prando Lobo. Tu m'as suscité pour des bonnes œuvres. Tu m'as suscité pour des œuvres excellentes. Et je prie ce soir, aide-moi, éternel Père, à accomplir, éternel, ces œuvres. Orobo Samala Baba, Orobo Sanderebelebe, Orobo Sanderebelebe, Ikalaba Zwanderebelebe, Mandolobo Zwanderebelebe, Le Banderebe Kabaria Banderebe, Ikabala Baba 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 Baba, Lebre Sabrade, et andara bazunda bele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 b
Alléluia, 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 alléluia. Ozi tara tarabo, zika tarabo, zika tarabo. Rabababababo, shabranelebe. Merci Seigneur, aide-moi à accomplir, aide-moi à accomplir, aide-moi à accomplir, aide-moi à accomplir. Laissez brando soto pobregede, laissez brando koto pregede. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Matoro, rabababababo, shekere brekatere 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 be. Alléluia, 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 alléluia. Glory to God, glory to God, glory to God. Gloire à l'âme de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Gloire à l'âme de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en ce moment pratiquement en train d'amorcer la descente de notre jeûne. Nous sommes au 11e jour aujourd'hui et nous avons 10 jours encore devant nous. Donc je veux tout simplement vous encourager pour ces 10 derniers jours à rester vraiment connectés. Peut-être que tu n'as pas pu jeûner pendant le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je vais te demander quand même pour le dernier jour qui reste, d'essayer de faire un effort pour pouvoir être dans le jeûne. Nous avons deux dates importantes maintenant qui sont devant nous. Nous avons la date du 20 février. Nous avons la date du 22 février. Pendant la date du 20 février, nous allons avoir un programme de prière sur un point spécifique. Nous allons avoir un programme de prière sur un point spécifique. Alléluia. Et pendant la date du 22 février, nous allons avoir aussi des points de prière sur des points spécifiques avec onction de consécration. Donc, je vais déjà vous encourager tout ce temps que vous êtes. Vous allez acheter à partir de lundi. Acheter pour tous, surtout ceux qui ne sont pas, ceux qui ne pourront pas être avec nous, par exemple, pendant les deux jours de service que nous allons avoir au niveau de l'église à Bruxelles, ou qui est peut-être au Gabon et dans d'autres pays qui nous suivent, qui est dans ce programme. La seule chose que je peux vous demander d'acheter en ce moment, c'est d'acheter une bouteille d'huile d'onction, une bouteille d'huile d'olive, acheter une bouteille d'huile d'olive à partir de lundi. Et vous allez rester avec cette bouteille d'huile d'olive, vous allez dormir avec cette bouteille d'huile d'olive. Je n'ai pas dit vous allez mettre ça dans vos tiroirs, j'ai dit vous allez dormir. C'est-à-dire que la bouteille d'huile d'olive, vous allez dormir avec. C'est comme si elle dort avec vous. Alléluia. Donc vous allez dormir avec cette bouteille d'huile d'olive jusqu'à ce que nous allons la utiliser. Alléluia. Voilà pour vous. Vous achetez ta bouteille d'huile d'olive. C'est une bouteille qui sera utilisé à deux fois seulement. Amen. Et c'est donc une doudra qu'on va utiliser. Alléluia pour ce moment parce que après cette date, le programme est terminé. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme information. J'aimerais que vous puissiez réellement continuer à méditer toujours sur ce passage, le passage de base que nous avons, le passage de Robert, de Romains chapitre. Verset 29 à 30. Méditez là-dessus chaque jour. Cherchez à comprendre dans les profondeurs ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Cherchez à recevoir une révélation plus approfondie par rapport à cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous accompagne et que demain encore nous puissions nous retrouver à 5h du matin, à notre heure de prière matinale et aussi dans la soirée. Pour rendre grâce à Dieu pour la préparation de la semaine qui va commencer. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je crois que tout ce qui a été partout dans le domaine de nos vies, nous avons été disqualifiés. Je crois puissamment à un réajustement. J'ai reçu des appels de certaines personnes qui nous avons dit que Dieu te bénisse par rapport à ce programme.
je me suis engagé dans ce programme, même au niveau de mes études, les choses sont en train de devenir meilleures. Alléluia. Donc voilà, je vous encourage d'entrer là-dedans et que le Seigneur qui a suscité cela puisse réellement accomplir ce que toi, il a suscité. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Et nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu. Demain, à partir de 5h. Si Jésus ne revient pas ce soir. Shalom. Oh,
Descendez dans ta gloire pour recevoir de nous cette belle offrande de nos lèvres, la louange de nos cœurs. Alléluia.